Timothy Zachary Mosley, alias Timbaland, est né le 10 mars 1972 à Norfolk, en Virginie. Quand Timbaland avait 14 ans, en 1986, il travaillait chez Red Lobster lorsqu'il a été accidentellement abattu par un collègue. À la suite de la fusillade, l'adolescent Timbaland est resté partiellement paralysé pendant 9 mois. Il a profité de ce temps pour apprendre à devenir DJ avec sa main gauche moins dominante. Au lycée, il passait par DJ Timmy Tim ou DJ Tim pour ses concerts de DJ. Il a rencontré et a commencé une longue amitié et collaboration avec Melvin, Magoo, Barcliff au cours de cette période. Il est diplômé du Salem High School en 1990. Il faisait partie du groupe SBI, Surrounded by Idiots, dont Pharrell Williams était également membre. Missy Elliott a entendu la chanson de Timbaland et l'a emmenée avec elle à New York lorsque Davant Swing de Jodeci a signé Elliott et son groupe Sista sur son label Swing Mob. C'est Swing qui a rebaptisé le jeune rappeur Timbaland, du nom de la marque de bottes de chantier Timberland très populaire au début des années 1990. Timbaland, Magoo, Gin Wine, Playa et Suga sont devenus connus sous le nom de Da Basement, du groupe d'artistes Swing Mob. Timbaland a réalisé un travail de production sur un certain nombre de projets avec Davant, notamment le LP Jodeci de 1995, The Show, The After Party, The Hotel. Timbaland a connu le succès dans l'industrie pop et R&B à la fin des années 1990. Timbaland a produit une longue liste de succès, principalement pour un groupe sélectionné d'artistes tels que Missy Elliott, Aliyah, Jay-Z, Gin Wine, Ludacris, Snoop Dogg, Nas et Justin Timberlake. Il est connu pour insuffler un sentiment d'individualité et de créativité dans ses productions. Ses rythmes rebondissants et lourds de basse, caractéristiques, compensent les coups de synthétiseurs haut de gamme retentissants, souvent accompagnés de ses propres chuchotements silencieux sous la piste, ainsi que d'absolument aucun échantillonnage, rendent son travail très reconnaissable. Timbaland a lancé son propre label, Beat Club. De 1997 à 2003, il a sorti trois albums de Timbaland et Magoo et Tim's Bio, de 1998, un album solo. Sorti en 2007, Timbaland Presents Shock Value, ainsi que sa suite de 2009, utilisait un mélange de chanteurs, de rappeurs et de groupes de rock. Les albums ont eu quelques succès majeurs, dont Give It To Me, avec Nelly Furtado et Justin Timberlake, qui a atteint le sommet des charts. The Way You Are, avec Kerry Hilson et Do, a atteint la troisième place des charts. Timbaland a aidé à produire de nombreux albums pour divers artistes en 2008, dont Hard Candy, de Madonna, Bittersweet World, des apostrophes Ashley Simpson, Mail on Sunday, de Florida, Spirit in the Dark, de Lindsay Lohan, Scream, de Chris Cornell, Block Party, de Missy Elliott et le premier album de Jennifer Hudson, pour ne citer que quelques-uns des albums sur lesquels Timbaland a travaillé cette année-là. Timbaland a produit « Believe », la candidature russe au concours Eurovision de la chanson 2008, de Dima Bilan. La chanson a remporté le concours. Fin 2010, Timbaland figurait sur l'édition de luxe de l'album de Chris Brown, « Fame », produisant les chansons « Paper », « Scissors », « Rock », avec Big Sean, et le titre bonus « Talk Your Ear Off », qui était disponible uniquement au Japon. En 2019, Timbaland a commencé à enseigner via Masterclass, proposant une série pédagogique sur la production et la création de rythmes. En août 2020, Timbaland a teasé une suite intitulée « Future Sex Love Sound » de Justin Timberlake. Timbaland a travaillé sur l'album à succès de Timberlake en 2006, qui a donné naissance au tube « Sexy Back My Love » et « He Thinks That She Knows ». Timbaland s'est rendu sur ses réseaux sociaux et a posté « Future Sexy Love Sound » tout, suivi de quelques émojis aux lèvres zippées. Timbaland a épousé Monique Idlet en 2008. En 2013, elle a demandé le divorce. Elle a demandé à Timbaland de payer une pension alimentaire pour leur fille alors âgée de 5 ans et son enfant alors âgé de 10 ans issu d'une relation antérieure. On lui a demandé de fournir à Monique une pension alimentaire permanente et une assurance vie. On lui a également demandé de payer l'école privée, les vacances, le camp d'été et d'autres dépenses. Monique lui a également demandé de payer ses frais juridiques, car elle a dû emprunter de l'argent à un ami pour engager un avocat. Timbaland a trois enfants, Rain Mosley, Demetrius Mosley et Frankie Mosley. En février 2008, la première collection mode contre le sida a été lancée et vendue dans les magasins H&M de 28 pays. Timbaland a conçu un t-shirt imprimé, a posé pour la campagne et s'est exprimé dans une vidéo pour contribuer à sensibiliser les jeunes urbains au VIH-SIDA et à prôner des relations sexuelles sans risque.